Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord this morning. I say, vous s'il vous plaît. Amen. I want you to turn to somebody sitting by your side. J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un à côté de toi. Look into the person's eyes. Regarde-le dans les yeux. Give the person a warm handshake. Serre-lui la main. And tell that person, I love you with the love of Jesus. Je t'aime de l'amour de Jésus. Smile. If the person did not smile, change your seat. Si la personne ne sourit pas, déplace toi. If the person did not smile, change your seat. Move from that seat. Get to somewhere else. Va vers une autre personne qui sourit. If you smile with the person who did not smile, would you change your seat? Si tu veux sourire, qui sourit pas, change de place. David said, I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. David a dit, je suis dans la joie quand on a dit, allons à la maison du Seigneur. You should be happy when you are in the house of the Lord. Tu dois être dans la joie quand tu es dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Just before I go on, I want to thank the bishop, the apostle, and the first lady, avant de commencer, and all the women of God and the men of God, and all the leadership in the church. I want to thank you for the privilege to be standing before you this morning. Je veux vous remercier pour la grâce que vous me faites d'être parmi vous aujourd'hui. And I want to encourage the women in this church. I see a lot of beautiful women. Je veux encourager les femmes de cette église. Je vois plein de femmes très belles. If this is the apostle's birthday, c'est la de l'apôtre. And that envelope comes from women in this church. Et les enveloppes sont venues des femmes de cette église. I think that I have to take you to South Africa. Je pense que let's go to South Africa and follow the Bible church. That's not encouraging at all. Ce n'est pas encourageant du tout. On my birthday, which is November 26, lors de son anniversaire, I promise 26, you, one person will give me a key of a brand new car. Quelqu'un lui a une seule personne a donné des clés de voiture. Not the church. Pas toute l'église. Not the church, just one person. Juste une seule personne. Every birthday, I have a new car. Chaque anniversaire, il a une nouvelle voiture. Amen. One person, not the church, it's not a committee. Pas toute l'église. It shows me, I'm wondering whether you truly love your father. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous aimez vraiment votre papa? Amen. I don't know. Je sais pas. Because you're not showing me that you truly appreciate this man of God. When he goes to you see what they will do. Vous savez ce qui va se passer. And I feel a little bit sad. Je suis un peu triste. Because you're not treating him the way he ought to be treated. Parce que vous ne le traitez pas de la manière dont il se devrait. And that is not blessing you. Et ce n'est pas une bénédiction pour vous. It's not blessing you. C'est pas une bénédiction pour vous. I have to tell you the truth. I tell people je veux vraiment vous dire la vérité. I tell people the truth in church. Je dis la vérité aux gens qui viennent à l'église. You may not like me, but that's the truth. Peut-être que vous n'allez pas m'aimer, mais c'est la vérité. When you bless him, quand vous le bénissez, he doesn't have to anoint you with oil to pray. Il n'a plus besoin de mettre de l'huile d'onction sur vous. His heart will bless. Son cœur déjà te bénit. Amen. So, you know, show him that you appreciate him. Montre-lui que tu l'aimes. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Amen. Do you still like me? Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Show him that you love him. Montre-lui que tu l'aimes. Appreciate him. His heart is going to bless you. Son cœur va te bénir. The greatest prayer any person can pray la for you que is que not to anoint you with oil. Ce n'est pas de mettre l'huile d'onction sur toi. It's his heart. C'est le cœur. When you affect somebody's life, quand tu affectes la vie de quelqu'un, and somebody just remembers, oh, et la personne se souvient et dit, I thank God for so-so sister, je bénis le Seigneur pour telle fois ou telle sœur. That is the greatest prayer. C'est la plus grande prière. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Can somebody say amen? Can somebody say amen? Be excited and be happy in the house of the Lord. Soyez dans la joie dans la maison du Seigneur. Hallelujah. Amen.
This morning, I want to briefly share with you on understanding the times and the seasons. Quelque chose concernant le temps et la saison. Understanding the times and the seasons. Comprendre le temps et la saison. Let's open our Bibles to the book of Luke, chapter number 19. J'ai appris quelque chose dans le livre de the book of Luke, chapter number 19. You may want to write it down. You may want to write it down. Luke 19, verset 41. Verse 41 to about verse 44. Verset 41 à 44. You can read. Je lis la parole. Comme il approchait de la ville. Let me go, s'il vous plaît, pour la parole. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Twice in the Bible, Jesus cried. Deux fois dans la Bible, Jésus a pleuré. Two times. Deux fois. And the Bible says that Jesus is the Word of God. Jésus est le Fils de Dieu. In the book of John, chapter number 1, verse 1, it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. So Jesus was God in the flesh. Donc Jésus était Dieu fait chair. Jesus was God that created the heavens and the earth, walking in the flesh. Jésus était Dieu qui a créé toute l'humanité, tout le monde. And when you read the entire New Testament, it was two times that Jesus cried. And this is just one of the instances. This is one of the instances that he cried. The Bible says in that scripture that we read. La Bible dit dans ce qu'on vient de lire. But as Jesus and the disciples were getting into Jerusalem. Jésus et les disciples allaient à Jérusalem. And now Jerusalem was a tourist attraction. Jérusalem c'était une attraction touristique. In Jerusalem at this point in time was the magnificent temple of Solomon. À Jérusalem en ce temps-là, il y avait un temple magnifique construit par Salomon. It was like coming to Paris and going to Tour Eiffel. C'était comme venir à Paris et voir la Tour Eiffel. That was Jerusalem. C'était ainsi à Jérusalem. It was a tourist attraction. C'était une attraction touristique. Everybody desires to visit Jerusalem. Tout le monde voulait visiter Jérusalem. And this was the first time that Jesus was getting into Jerusalem. C'était la première fois qu'il y allait. And so he was walking with the disciples as they entered into Jerusalem. Il allait avec les disciples. The Bible says that he started crying. Et la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. He started crying. Il a commencé à pleurer. And the Bible says he cried because la Bible dit qu'il a pleuré parce que the people that were in Jerusalem, les gens qui étaient à Jérusalem did not know the time of their visitation. Ils ne connaissaient pas le temps de leur visitation, ils n'ont pas reconnu ce temps. Let me give you a backdrop of this story. Je vais vous donner un aperçu de l'histoire. It is possible, c'est possible that you can be and not know the time. You can be in a place and not know the time. Tu peux être à un endroit et ne pas reconnaître le temps. Jesus walked into Jerusalem. Jésus allait à Jérusalem. And you can imagine what was happening. Et tu peux imaginer that the God that created the heavens and the earth, Dieu qui a créé les cieux et la terre, was in the city that was dedicated for him. Il était dans une cité qui lui était dédiée. That Jesus was in the city that was dedicated to him. Qui était dédié à lui. And the Bible says the people in the city did not know him. Que les gens de la cité ne le connaissaient pas. Et imaginez that Jesus will walk into the church. Et que Jésus va marcher dans l'église. The God that we worship, et Dieu qu'on adore. The one that we pray to, celui vers qui on fait monter l'adoration. Celui vers qui on donne le service. And nobody will notice.
Christ. Et personne ne. People were still praying. Et les gens priaient toujours. When Jesus walked into Jerusalem. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem. The people did not know. Les gens ne le savaient pas. There were the people in the church in that day. Il y avait des gens dans l'église ce jour-là. There were people in the synagogue that il y avait des gens dans la synagogue there ce jour-là. There were people that were still praying. Il y avait des gens qui étaient en train de prier. But the God they were praying to. Le Dieu qui était en train de prier était là. And they did not know. Et ils ne savaient pas ça. So the Bible says. Et la Bible dit. That when Jesus walked in. Quand Jésus est rentré dans la ville. He cried. Il a pleuré. Because the people. Parce que les gens. Did not know. Ne savaient pas. The time. Le temps. Of their visitation. De leur visitation. Les gens ne savaient pas. God, Dieu, was there. Était là. The one they were praying to. Celui qui priait. Could you imagine? Ils pouvaient pas imaginer. That some people were fasting. Que les gens jeûnaient. That day, ce jour-là. Praying to God. Priant à Dieu. And the God they were praying to. Et le Dieu qui priait. Was right there. Était là devant eux, mais ils ne savaient pas ça. So when Jesus walked, quand Jésus est arrivé to Jerusalem, dans Jérusalem, he cried, il a pleuré because the people in Jerusalem, parce que les gens de Jérusalem did not know ne savaient pas the time le temps of visitation. De leur visitation. Brothers and sisters, frères et sœurs, if you miss out on your time, si vous manquez le temps, I pray je prie that you will not miss out que vous ne manquez pas votre temps. Time. Le temps, le temps de votre visitation. I don't know whether you understand it. Je ne sais pas ce que tu comprends. Can I get a witness in the house? Est-ce qu'il y a des témoins de Dieu? I pray that you will not miss. Je prie que tu ne manques pas le temps de ta visitation. It's possible to be in church. Il est possible d'être dans l'église. It's possible to come every day. Il est possible de venir tous les jours. It's possible to do things. Il est possible de faire des bonnes choses. Out the time. Et puis de manquer son temps. The disaster. Le temps important. The most terrible thing that can happen. La chose la plus importante qui puisse t'arriver. Somebody to miss his time. C'est de pouvoir manquer son temps. Open your Bible. Ouvre ta Bible. Look at the book of Ecclesiastes. Regarde la Bible, le livre d'Ecclésiaste. Chapter 9. Le chapitre 9. Verse 11. Verset 11. Can we read it together? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Let me just read it for you. On va le lire. This is so important. C'est tellement important. Because we get used to church. Parce que nous devons. We so get cela. Used to coming to church. Nous devons comprendre cela avant we de venir à l'église. We get used to the pastor. Nous devons comprendre ça en tant we que pasteur. We get used to the services. Nous devons comprendre ça en tant and que serviteur. Il est possible that you will miss your time. Que tu puisses manquer ton the temps. The book of Ecclesiastes. Le livre d'Ecclésiaste. Chapter number 9. Le chapitre 9. If you read at verse 11. Si tu lis à partir du verset 11. He said, I returned. Il dit, j'ai encore. And I saw under the sun. Et j'ai vu sur le soleil. That the race. Que la course. Is not to the swift. Ne point aux agiles. Not the battle. Ni la guerre. To the strong. Aux vaillants. Neither yet brave. Ni le père. To the wise. Aux sages. Nor yet riches. Ni la richesse. To men of understanding. Aux intelligents. Nor yet faithful. Ni la faveur, for men of skill, aux savants, but time bah, and chance tout dépend, happens to the Lord. Time et circonstances. Everybody, chaque personne, in life, dans la vie, God will give that person. Dieu te donnera time, le temps, and chance et la et la grâce, la faveur de réussir. Time and chance, le temps et la faveur, to succeed. D'avoir le succès. Le problème est que beaucoup de personnes ne connaissent pas le temps. God open a door. Dieu peut ouvrir une porte of opportunity. Des opportunités. But can you see? Mais tu ne peux pas voir. The Bible says, la Bible dit in the same book of Ecclesiastes, dans le même livre d'Ecclésiaste, you may be seated vous pouvez vous asseoir. In the same book of dans le même livre d'Ecclésiaste, in chapter 3, dans le chapitre 3, in verse 1, au verset 1, he said, there is a time, il dit il y a un temps for everything, pour toute chose. There is a season, il y a une saison for every purpose, pour tout compte, under the heavens, sous les cieux. Your life, ta vie is divided, est divisée into times, en plusieurs temps and seasons, et saisons. And if you don't know, et si tu ne sais pas, what is the time, quel est ton temps, the season, et les saisons of your life, de ta vie. You are living dans laquelle tu vis, you will miss tu prends la opportunité. Dans l'opportunité. Am I speaking to somebody? Je parle à quelqu'un ce matin. Am I speaking to somebody? Je parle à quelqu'un. I want you to walk with me. Je veux que tu me suives. I'm not gonna be long. Je ne serai pas long. Because I
I want you to understand. Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. God, que Dieu always give to every person, donne à chaque personne opportunity une opportunité dans la vie. It depends if you can know. Cela dépend de toi. He walked into Jerusalem. Il marche dans Jérusalem. The people did not know. Et les gens ne le savent pas. So the reason he was crying. Et la raison pour laquelle il pleurait, is that the God, c'est que Dieu, who the people were praying, que les gens priaient, the one they were praying to, les gens que Dieu que les gens priaient, was now here, est maintenant là, and they did not know. Et ils ne voient pas. And he said to them, et il leur a dit, because you do not know, parce que vous ne savez pas, the time of your visitation, le temps de votre visitation, calamity. Like la calamité is about to come upon you because you do not know. Parce que vous ne savez the pas time of your visitation. Chaque temps, you move out of the chose. Time. Chaque fois que tu sors du temps du verbe of your life, de ta vie, you create a problem. Tu crées un problème. Amen. I want to show you the Bible. Je veux te faire comprendre quelque chose dans la Bible. Let me take on our father Abraham. Je vais prendre l'exemple sur notre père Abraham. God said to Abraham. Dieu a dit à Abraham. Your wife, ta femme, Sarah, will bear your son. Sera enceinte. Abraham said yes. Abraham a dit oui. Dieu. I accept it. J'accepte cela. But what Abraham did not know. Mais ce qu'Abraham ne savait pas. That there was a time. C'est qu'il y avait un temps. That was allotted. Qui était noté que cela se passe. So the Bible says, et la Bible dit, as time went on, quand le temps est arrivé, Sarah look at the performance, a regardé les choses se faire of the husband. Elle a regardé la performance, l'habilité de son mari. He said to my, I said to her, hey, darling. Et elle a dit, chérie, I see that you are struggling now. Je sais que how many of you understand what I'm talking about? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? If you do not understand, si tu ne comprends pas ça, ask somebody after church. Et demande à quelqu'un après l'église, il va t'expliquer. So what was he talking about? Il parle de quoi en ce moment? So Sarah, look at Abraham. Regarde Abraham. He said the way you are performing this. La manière dont tu es physiquement, my husband. La manière dont tu olives physiquement mon mari, I'm afraid. J'ai peur. It doesn't look like. C'est pas comme si. Before it's too late. Avant que ça ne soit tard. Est-ce que tu me comprends? Lève la main si tu me comprends. Ok. So before it's too late. Avant qu'il ne soit tard. Look at the house. Regarde la servante. I'm going to go and visit somebody. Je vais aller rendre visite à quelqu'un. I want you to try something. Et je veux que tu fasses quelque chose pendant que je ne suis pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève la main si tu me comprends. How many of you know the story? Qui connaît l'histoire? Qui a déjà lu l'histoire? Qui connaît l'histoire? And Abraham did not say no. Abraham n'a pas dit non. He didn't say no. Il n'a pas dit non. So Sarah left Sarah to visit another sister. A quitté la maison et elle va rendre visite à une autre sœur. And Abraham, you know. Et Abraham, you know the story. Vous connaissez l'histoire. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says. Et la Bible dit. Haggai, the servant. Hagar, la servante est devenue enceinte. Hallelujah. Amen. Because. À cause. They did not know. Parce qu'ils ne savaient pas. That there was a time. Qu'il y avait un temps. Designed by God. Un temps voulu par Dieu. For things to happen. Pour que la chose arrive. In your life. Dans leur vie. Hallelujah. The Bible says la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. There's a time for everything. Il y a un temps pour toutes choses. Your life has a certain time. Ta vie est conditionnée par un certain temps. There's a time in your life. Il y a un temps dans ta vie. That certain things are supposed to happen. Où certaines choses sont supposées de se passer. When you miss out of that time. Quand tu rates ce temps-là. You struggle in life. Tu souffres beaucoup dans la vie. Amen. When you miss out on that quand time, tu rates ce temps, this is the time for the church. Ça c'est le temps de l'église actuellement. If you come by 2 o'clock in si the night, viens, you will not see anyone. À 2 heures du matin, tu ne verras rien, tu ne verras personne ici. But it's the same place. Bah, pourtant c'est la même place. It's the same church. C'est la même église. But it's the wrong time. Mais c'est le mauvais temps. Amen. Everyone
Chaque personne est supposée connaître son temps. The Bible says, la Bible dit, in the book of First Chronicles, dans le livre de 1 Chronique, chapter 12, le chapitre 12, in verse 32, au verset 32, he said, the sons of Issachar, il dit, les fils d'Issachar, were men, qui étaient des hommes, that had the understanding, qui avaient fait la compréhension of the time, du temps, to know, pour savoir, what Israel ought to do. Qu'est-ce que Israël avait à faire. If you do not understand, si tu ne sais pas, the time that you are living in, le temps dans lequel tu vis, you cannot take the right tu decision. Ne peux pas prendre la bonne décision. Many of the problems of our life, le problème de beaucoup de nous dans notre vie, c'est que nous prenons de mauvaises décisions. Parce que nous ne connaissons pas le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que tu me comprends? The problem that you have, le problème de chacun de la vie, ce n'est pas le diable de Rome. C'est parce que tu prends de mauvaises décisions. Parce que tu ne sais pas the time of your life, le temps de ta vie. The Bible says, la Bible dit that Abraham, que Abraham and Sarah, et Sarah took a wrong decision. Ils ont pris une mauvaise décision. Because they did not know, parce qu'ils ne savaient pas what time it was, dans quel temps ils étaient their life, dans leur vie. So the Bible says, et la Bible dit, he presented Hagar. Et ils ont pris Hagar. Amen. And let me tell you, laisse-moi te dire une chose. Hagar, you know, give birth to the son, a donné naissance à un fils. And the Bible says, et la Bible dit, his name is Ishmael. Que son nom c'est Ismaël. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne savais pas. Let me tell you something that you don't know about Ishmael. Can we read it? Let me show you the Bible. Est-ce que je peux te montrer une Bible? C'est mieux de voir dans la Bible. Look at the book of Genesis, chapter. Regarde le livre de Genèse, à 16. Chapitre, yes. Chapitre 16. Genèse 16. Look at verse 11. Le verset 11. 11 and 12. Le verset 11 à 12. Genèse 16, verset 11 à 12. Listen. Ok. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ismaël will be a wild man. Était un homme fort. His hand will be against everybody. Vraiment, son épée sera contre tout le monde. Everybody will be against him. Et tout le monde sera contre lui. And he will dwell. Il va demeurer in the midst of his brethren. Au milieu de ses frères. The problem of the Middle East today. Le problème du milieu aujourd'hui, du Moyen-Orient, pardon, aujourd'hui, is because of Ishmael. C'est à cause d'Ismaël. The Bible says he will be a wild man. La Bible dit sera un homme fort. You cannot be controlled. Il peut pas he contrôler. Will fight everybody. Il va combattre tout le monde. Everybody will fight. Et tout le monde va le combattre. He will stay. Il va demeurer. In the midst of the people. Au milieu de ses frères, des when gens. You move outside, quand tu bouges hors divine times of your life, du temps de Dieu dans ta vie, you produce an Ishmael. Tu vas produire un Ismaël. Most of the problems, beaucoup de problèmes that we have in life, que nous avons dans nos jours aujourd'hui, c'est parce que nous avons produit un Ismaël. Because we did not know, parce que nous ne savons pas quel temps il est pour nous. We produce an Ishmael. Nous produisons un Ismaël. And Ishmael is fighting. Et Ismaël nous combat. He does not want to go. Ismaël ne veut pas partir. Anything that you produce, toute chose que tu produis, outside the timing and the season en dehors du temps et de la saison de Dieu, becomes a problem. Devient un problème. Oh yes. So Ishmael will be a wild man. Ismaël sera un homme fort. His hand will be every, against everybody. Et Ismaël sera contre tout le monde. Everybody will be against. Tout le monde sera contre lui. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Are you understanding? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tell somebody, wait for your time. Dis à quelqu'un, attends ton temps. Dis-lui, dis à quelqu'un, attends ton temps. In Genesis chapter 18. Et en Genèse le chapitre 18. The Bible says, la Bible dit, in verse 1, au verset 1, and God appeared unto Abraham, et Dieu est apparu à Abraham,
And in verse 3, he said, when Abraham lifted up his eyes, et au verset 2, la Bible dit, quand Abraham a levé les yeux, he saw three men. Il a vu trois hommes. Let me say that again. Laisse-moi te dire ça encore. Read your Bibles, look at it, it's exactly the same way. Lise ta Bible, tu verras que c'est la même chose. In verse 1, au verset 1, he says, il a dit, and the Lord, et Dieu, appeared, est apparu, unto Abraham, à Abraham. The Lord, Dieu, appeared, est apparu, unto Abraham. À Abraham. In verse 2, au verset 2, it says, il dit, when Abraham lifted up his eyes, Abraham a levé les yeux, to see the Lord, de pour voir le Seigneur, that appeared unto him, qui lui est apparu, he saw what? Il a vu quoi? Trois hommes. Did you get that? Est-ce que tu me comprends? God appeared, Dieu apparaît. He lifted up his eyes, il lève les yeux, to see God, pour voir Dieu. He saw ordinary men, et il voit trois personnes. And the Bible says he invited. Et la Bible dit qu'il a invité les hommes. Wait, come. Il dit venez. Come to my house. Venez dans ma maison. Sit down. Asseyez-vous. He gave them water to wash. Et il leur a donné l'eau pour laver les pieds. He ran to the kitchen. Il est rentré dans la cuisine. Say, my darling Sarah. Il a dit, ma chérie Sarah. Make food for them. Il faut faire à manger pour eux. Regarde, tu mets, ils viennent d'où? I don't know, I just saw. Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas, je les ai vus. You. Il dit, toi. You just bring everybody. Vas-y, amène n'importe qui à la maison. I'm tired of cooking. Je suis fatigué de préparer pour les gens. Hey. Abraham said, just move. Abraham dit, il faut juste faire à manger. And Sarah. Et Sarah. Obey. A obéi. Oh, est-ce que tu me comprends? The greatest power in the church. Les femmes sont un grand pouvoir dans l'église. And that's why I'm challenging the women of this church. C'est pourquoi je veux défier les femmes de cette église. Vous êtes tellement belles et merveilleuses. Sarah went. Sarah est venue. Elle a fait à manger. And he brought it. Et elle a porté. Doesn't know these people. Il ne connaissait pas ces personnes. The husband does not even know. Le mari ne connaissait même pas ces personnes. And he served them food. Et il leur a, ils ont servi à manger. Et c'est ce que j'ai préparé avec vous, j'ai vu avec vous à la fin. Et quand les gens ont fini de manger, their stomach is full. Ils étaient vraiment remplis, ils étaient rassasiés. Où est ta femme? Avant ça, ils n'ont pas demandé après la femme. C'est quand l'estomac est rassasié, mais ils demandent après la femme. Amen. Oh. You know, they did not ask ils n'ont pas demandé après la femme. But after they mais après avoir mangé, they said, where is your wife? Il dit, mais où est ta femme? They didn't ask of the wife when they came. Mais ils n'ont pas demandé après sa femme qu'elle soit arrivée. Mais quand ils ont fini de manger, and Abraham said, Abraham a dit, my wife, ma femme, is in the kitchen. Elle est dans la cuisine. But what Abraham did not know, ce que Abraham ne savait pas, was that Sarah was peeping. Était que Sarah écoutait à la porte. Who is this? Qui sont ces gens? See the way they are eating. Regarde comment ils sont en train de manger là. Ils ont fini tout le plat. Oh, ils avaient vraiment faim. Hein? Mon mari ne les connaît même pas et puis les amène comme ça ici. Et puis il amène les gens chaque jour comme ça. On ne les connaît même pas. Il est toujours là préparé pour eux. Ah. Et ils ne savent pas. So the people say, et certaines personnes disent, there is some prophecy, il y a des prophéties, that will not come, qui ne vont pas venir, until the man of God has eaten, tant que l'homme de Dieu n'a pas encore mangé. Oh, amen. Tant que l'homme de Dieu n'est pas rassasié, there is some prophecy that cannot, il y a des prophéties qui ne vont pas venir. Il y a des prophéties qui doivent venir quand l'estomac sera rempli. Ce n'est pas de même prophétie, mais c'est une prophétie puissante. When this man's stomach quand is full, son estomac sera rassasié, il n'a pas besoin de
chasser les démons. Il n'a pas besoin de t'imposer les mains. Il va dire seulement sois béni. Et tu seras béni. Dis amen. Alléluia. Et la Bible dit, les hommes stood up and said, ils se sont arrêtés, ils ont dit Abraham, according to the time of life, selon le temps de la vie, by this time next year, par ce même temps l'année prochaine, your wife, ta femme will be pregnant. Elle sera enceinte. And Sarah, et Sarah regarde et l'écoute. Et elle a commencé à rire. Et les gens, la nourriture, là, vraiment, les a rendus fous. Si ils savaient, that I have attended menopause, que j'ai atteint la ménopause deux fois. I have master degree. J'ai le master en ménopause. I have master degree. J'ai le master en ménopause. I have attended the first one when I was 40. Et j'ai atteint le premier niveau lorsque j'avais 40 ans. The second one. Et j'ai atteint le deuxième niveau. I am 80. Maintenant je suis à 80 ans. I have master degree. J'ai deux fois le degré master en ménopause. So Sarah look at them. Et Sarah le regarde. Say, these people, les gens là, the food, la nourriture là, is too much. Elle est trop dans leur ventre. They don't know what to say. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. They should just go. Ils n'ont qu'à partir seulement. Me, moi, at 90 years, à 90 ans, we don't even go there again. We don't go there again. On va plus se revoir. Ils vont plus venir vers moi. We don't go to that area. On va plus aller à cet endroit là. How many of you know that when you are 90 years? Et combien de personnes savent que quand on a 90 ans, you don't try those things. Tu ne fais plus ces choses. Tu n'as plus l'amour. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui ne comprennent pas, on va voir si les gens s'il vous plaît. Quand tu as 90 ans, tu ne fais plus l'amour. Because the doctor will be telling you, parce que le docteur va te dire, your heart, ton cœur va lâcher. 90 years? 90 ans? Don't go there again. Tu ne peux pas faire ces mêmes choses. When you are 90 years, quand tu as 90 ans, you don't even sleep in the same room. Tu ne dors pas dans la même maison. Amen. Dans la même chambre. You sleep with the great grandchildren. Tu dors avec les arrière-petits enfants. Don't go there again. Tu ne vas pas là-bas encore. So Sarah laughed. Donc Sarah commence à rire. And say, these people, ces gens-là, this food has stopped their brain. La nourriture a tourné leur tête. They are prophesying. Leur prophétie. Something that is impossible. Vraiment, ils prophétisent des choses impossibles. But what they did not know. Mais ce qu'ils ne savaient pas. That there was a time. C'est qu'il y avait un temps. There was a time. Il y avait un temps. That was sent by God. Qui était envoyé par Dieu. What things are happening in your life. Pour que ces choses se passent dans leur vie. Amen. Yes. And that time was moving. Et ce temps était en mouvement. So this day, et ce jour-là, after those people are gone, quand ces gens sont partis, maybe 2 weeks after, peut-être 2 semaines après, this night, Abraham dormait dans sa chambre. Sarah slept in her room. Sarah dormait dans sa chambre aussi. But the time was moving. Mais le temps était en mouvement. Yes. Amen. And all of a sudden, et soudain, Abraham began to feel. Abraham a commencé à sentir. What is this one? Qu'est-ce qui se passe? How am I going to do this? Et je vais faire quoi avec ça? Hey, je sens là. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? And Abraham said, et Abraham a dit, if I go to Sarah, si je vais chez Sarah, it's going to insult me. Elle va m'insulter. What is this one? Mais c'est quoi ça? It never happened for the last 20 years. Ça ne s'est pas passé il y a 20 ans. And all of a sudden I can't sleep. Et vraiment, je ne peux pas dormir. And look, et regarde. The light in Sarah's room. Et la lumière dans la chambre de Sarah. It's off. C'est éteint. Il dit, ah. What am I supposed to do? Et qu'est-ce que je dois faire? What? Abraham did not know. C'est que Abraham ne savait pas. And in Sarah's room. Dans la chambre de Sarah. Sarah was feeling like Sarah aussi sentait la même chose.
elle sentait le même mouvement. Said, if I go to this man, et elle fait dit, si je vais à ce temps, so what am I supposed to do? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? She was feeling like a sweet et elle sentait comme une femme. Quelque chose nouvelle dans son corps. Oh, I can't do this. Je ne peux pas faire ça. Not after so many non, 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 pas après tant d'années. What am I supposed to do? Je dois faire quoi? So she had an idea. Et elle a eu une idée. So let me go. Laisse-moi aller. And ask Abraham. Demandez à Abraham. Did you take your tablet for your heart? Est-ce que tu as pris les comprimés de ton cœur pour que ton cœur puisse tenir? And Abraham. Et Abraham. On this side. De son côté. Was feeling the electricity. Il sentait l'électricité dans son corps. Ooh. Okay. I have an idea. J'ai une idée. Let me go. Je vais aller demander à Sarah. Off the light in the kitchen. Est-ce que tu as été la lumière de la cuisine? And so, et donc, as Abraham was coming, pendant qu'Abraham venait of his room, dans la chambre de Sarah, Sarah's room, vers la chambre de Sarah, Sarah, was coming, Sarah aussi venait, they met in the corridor, et les deux se sont croisés dans le couloir. The Bible did not tell us la Bible ne nous a pas dit ça, what hein, happened, ce qui s'est passé. But what I know, mais ce que je sais, a 90 year old. Après, ils avaient 90 ans. Ils avaient 90 ans. When the time comes, quand le temps arrive, when what was impossible? It was impossible. It was impossible. It was impossible. That's what you might tell. When the time comes, party. The Bible said there is a time. La Bible dit un temps. For everything. For toutes choses. Under the heavens. Sous les cieux. There is a purpose. Il y a un pour every season. Pour chaque saison. I came to talk to someone. Je suis venu dire à quelqu'un. That your time. Ton temps. Has stopped. Est arrivé. Let me share something. I'm about laisse-moi te partager quelque chose. Je suis le point de fini. Help me talk to somebody. Aide-moi à parler à quelqu'un. Tell that person. Dis à cette personne. The time of everything. Le temps de toutes choses is in the thing. Is in the thing. The time of everything. Le temps de toutes choses. And don't like the last chose. Le temps de toutes choses est dans la chose. Bon. Ok. Thank you. The time of everything. Le temps de toutes choses. Is in the thing. Est dans la chose. Amen. Your time is not with God. Ton temps n'est pas dehors ou à la maison. Your time is inside you. Ton temps est en toi-même. The time is inside. Le temps est en toi-même. I hear people in the church. J'ai entendu des gens dire dans l'église. They say I'm waiting for God's time. Que j'attends le temps de Dieu. God created time in you. Tu as créé le temps en toi. The time of everything. Le temps de toutes choses. Se trouve en toi. I explain. J'explique. When I was about 7 years old. Quand j'avais 7 ans. My father. Mon père. Was shaving. Et il se rasait. In the bathroom. Dans la salle de bain. And when he left. Et quand il a quitté. I took the shaving stick. J'ai pris le rasoir et j'ai commencé à me raser. And my father came. Et mon père est venu. He said, il a dit, fils, don't worry. Don't ne t'en fais pas. When the time comes, quand le temps va arriver, et tu vas te raser. I did not understand. Je ne comprenais pas ça. Then, donc, all of a sudden, tous les poils, la barbe. I see the beers. J'ai vu la barbe coming out. J'ai vu la barbe sortir. I did not pray. Je n'ai pas prié. I did not fast. J'ai pas jeûné. Nobody lay hands on. Personne ne m'a imposé les mains. My father did not. Mon père n'a pas prié pour moi. Just et il est venu tout seul. And even where I did not know that hair can grow. Mais même si je ne sais pas comment ça pousse, I find out that some hair are growing there. I find out that there is hair in some places in my life. Et j'ai vu qu'il y a des poils qui ont poussé. I did not pray for. Je n'ai pas prié pour ça. Nobody lay hands for your beard. Personne ne t'a imposé la main pour ta barbe. Nobody lay hands. Personne ne t'a imposé la main. It just came. C'est venu. Before it was not there. Avant, c'était pas là. When the time came, quand le temps est arrivé, just come out.
C'est venu, c'est apparu. You're going to get it. Écoute bien. When a woman is pregnant, quand une femme est enceinte, the time to deliver, le temps de l'accouchement, is not with the woman, n'est pas avec la femme. If you're tired of the pregnancy, si tu es fatigué de la grossesse, you cannot go to the hospital. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Say, doctor, pour dire au docteur, hey, I'm tired. Hey, je suis fatigué. I'm vomiting every day. Je suis en train de vomir tous les jours. Je vais accoucher aujourd'hui. It will not happen. Il va pas, cela ne va pas se passer. Parce que le temps is not with you. N'est pas encore avec toi. Everything. Le temps de toutes choses est dans la chose. The time is not with you. Le temps n'est pas avec toi. It's not with the doctor. Le temps n'est pas avec le docteur. It's not with the hospital. Le temps n'est pas avec l'hôpital. It's not with the husband. Le temps n'est pas avec le mari. Le temps is with the baby. Est dans le bébé. When the baby wants to come out, quand le bébé va vouloir sortir, it does not matter whether you're in the supermarket. Peu importe que tu où que tu sois. It does not matter whether you're in the church. Peu importe que tu sois dans l'église. Quand le temps va arriver, le bébé lui-même va sortir. The time of every le temps de toutes choses se trouve dans la chose. Amen. The time of every le temps de toutes choses se trouve dans la chose. God sent me, Dieu m'a envoyé to come and speak to few people pour parler à un peu de personnes. And the time of que le temps de votre visitation est ici. Amen. And est-ce que vous me comprenez? When it is the time, quand c'est le temps for your life, de ta vie, when it is the time, quand c'est le temps, no power, aucun pouvoir, no demand, aucun démon, no witch, aucun sorcier, no wizard, aucun sorcier stop you, ne peut t'arrêter. When it is the time, quand c'est le temps, God has set que tu as choisi pour ta vie, when my time comes to time, nobody can stop you, ne peut t'arrêter. No power can stop you, ne peut t'arrêter. When the time came, the womb became fruitful. La when the time came, everything that was alive, and the life of the doctor suffered. And it does not matter what has happened in your life. It does not matter what people say. When the time comes, quand le temps arrive, no power can stop you. Aucun pouvoir ne peut te arrêter. Quand le temps arrive, no demand can stop you. Aucun démon ne peut t'arrêter. When the time comes, quand le temps arrive, ta situation ne peut pas t'arrêter. When the time comes, quand le temps arrive, quand le temps arrive, everything, toutes choses, I was paying my life, je fais compte avant de ma life, je fais le reste. Quand le temps arrive, you are too old to get married. Il est même temps de marcher pour te marier. Mais quand le temps va arriver, c'est pas tout le monde. I came to announce to somebody that you have stepped que tu es là aujourd'hui into the season, dans ta saison, amen, de ta vie. When the time comes, quand le temps arrive, nobody will stop you. Personne ne peut t'arrêter. When the time comes, quand le temps arrive, the time cannot le temps ne peut même pas t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun pouvoir ne peut t'arrêter. Quand c'est ton temps, c'était le temps de Sarah de concevoir. La Bible dit, a womb was paid. Que son enfant avait donné. Le womb comme un aïe. Son corps dans la maladie. La Bible was nothing. Il n'y avait rien. Mais ce jour-là, tout ça se devenait un peu dans son ventre. What has happened in your life? Peu importe what has happened in your life. What is it does not matter. Peu importe what people said about you. I came to answer your question. Your time is here. 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 Ton temps est arrivé. Your time is here. Ton temps est arrivé. You need to recognize that. Tu dois reconnaître cela. No need to stress. Aucune petite force. No little stress. Aucune petite force. When time comes, quand ton temps arrive, people can
can write you off. Que les gens peuvent te rejeter. You can be like Sarah. Tu peux être comme Sarah. It looks like the promises of God. Et puis tu peux regarder la promesse de Dieu. You feel in your life. Et tu peux penser que ma place a construit. And your prayer. Et tu peux penser que ta prière ne monte pas devant your Dieu. Your offering. Ton offrande. Your tithe. Ta dîme. It's not doing anything. Et tout cela ne monte pas devant Dieu. Mais c'est ton temps arrive. Nobody. Aucune personne. No power. Aucun pouvoir. Can stop you. Ne peut t'arrêter. I came for je suis venu dire à quelqu'un. I came for je suis venu dire à quelques personnes. Who are sitting down. Qui sont assises ici. Who thought. Qui pensent. It was over. Que c'est fini. Who has tried everything. Qui ont tenté toutes choses. They never succeed. Et qui n'ont pas eu de succès. They applied for papers. Ils ont tenté pour les papiers. Ils n'ont pas eu de succès. I came for somebody. Je suis venu dire à quelqu'un. Sitting in his house. Je suis venu dire à quelqu'un. Who's alive. 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 And you are saying, et tu es ici, where is God? Where is Dieu? What is happening? Everybody came to France. Everybody is succeeding. What is happening? God, I came for you. Come around. Your time has come. And you are listening to me. It is an invitation. C'est une invitation. Your season has come. And you believe it. Stand up and say, you have tried. Tu as essayé. You've done everything. Tu as fait toutes choses. Nothing was. Mais rien n'a marché. You wonder. Tu as tout fait. And then you came to church. Et puis tu viens à l'église. The people that you brought to church. Les gens que tu as portés à l'église. They have succeeded. Ils ont eu succès. They have been blessed. Ils ont été bénis. They got married. Ils ont été mariés. Ils ont eu les papiers. They got their house. Ils ont eu leur maison. They got their car. Ils ont eu leur voiture. But what is happening? Mais rien ne s'est pas changé. You are saying God. Et tu dis Dieu. Why is my situation? Pourquoi ma situation? Je veux prier pour quelques personnes. I will send you. Dieu m'a envoyé pour ces personnes. Who has tried everything. Qui ont essayé toutes choses. It looks like. Ils ont regardé. It's getting too late. Et ils se croient en retard. Nothing is working for rien them. Ne marche every pour other eux. Person. Toutes les personnes. The people that came yesterday. Les gens qui viennent hier. They are already successful. Et ils ont le succès. And you don't know. Et toi tu ne sais pas. What is happening. Ce qui se passe. You are like Sarah. Et tu es comme Sarah. God is over. Et tu penses que le temps est passé. You did not know. Et ce que tu ne sais pas. There was a time. C'est qu'il y a un temps. God marked. Et Dieu a marqué. And for you. Pour toi. And when you come to that season. Et quand tu viens à cette saison. Nothing. Rien. Shall be impossible. Ne peut être impossible. With the God that you serve. Quand tu as parlé de la vie. Person, si tu es cette personne. I want you to step out. Je veux que tu sortes. If you are that person, si tu es cette personne, I feel that tu sens ce this is your time. Que c'est ton temps. If you are that person, si tu es cette personne, I feel that tu sens que the time has come for you. You have tried everything. Tu as essayé toutes choses. You have prayed. Tu as prié. You have been anointed. Tu es OM. They have prayed for you. On a prié pour they have laid hands on you. This is your day. C'est ton jour. This is your season. C'est ta saison. This is the time. C'est ton temps. Of your visitation. If you believe si tu crois that this is your season, if you believe si tu crois that this is your life, c'est ton temps. Step forward. Je vais prier avec toi. I did not come for everybody. Je ne suis pas venu pour tout le monde. For some people. Je suis venu pour quelques personnes qui savent que le temps, for your promotion, de leur promotion, the time, le temps, for your business, de leur affaire, the time, le temps, for your children, de tes enfants, to get up dross, de la sortie de la drogue, and return, et retourner, is here. C'est if you believe, si tu crois, that this is your season, c'est ta saison. If you hear, si tu m'entends, the voice of the Spirit de Dieu, saying to you, si à toi, this is your time, c'est ta saison. Put your hands, lève la main, wherever you are, où que tu sois, step out here, lève la main. The power of God, the power of God, la puissance de Dieu, the same power, la même puissance, that went into the womb, qui est venue dans les bras.
Sarah, que Sarah, and make it fertile again. He's about to come upon you. There is an anointing in his hands. There is an anointing in his hands that is going to turn the situation around. There is an anointing in his house. There is an anointing in his house that will give you a new job. There is an anointing in his house that will open the door for you. The time has come. This is the time. I am here. Je suis là. Because God says, parce que Dieu m'a dit, this is the time que ton père est arrivé. C'est le temps de la mission évangélique à grâce. This is your season. C'est ta saison. This is your season. C'est ta saison. I am a messenger. Je suis un messager. Je suis annoncé. This is your time. C'est ta saison. You cannot afford. Tu ne peux pas. You cannot afford. Ne rentre pas chez toi. This is your time. Ne rentre pas chez toi. The power of God. La puissance de Dieu. Is here right now. Est ici maintenant. It will touch your life. Yeah, what you will touch your business. Elle va toucher tes enfants. 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 Let the power of God come upon you right now in the name of Jesus. Yes, yes, the same unction. La même onction that came upon Sarah, qui est descendue sur Sarah, the impossible, et qui a rendu l'impossible, la situation, la situation de la vie. Je déclare, in the name of Jesus, au nom de Jésus, que cette saison, tu auras un témoignage, tu auras une raison de te réjouir dans le nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Receive your miracle in the name of Jesus. Au nom de Jésus. This is a season. You have tried everything. It's not working. This is a season. C'est ta saison. Of your breakthrough. It's not by power. It's not by might, but by the Spirit of the living God. The door is open for you. The door is here. You will have a reason to see your dream. That's why. Receive your miracle. Receive in the name of Jesus. Holy Spirit of the living God. You think that it was not going to happen. And the Lord said to serve you. You have stepped into the season. Tu es dans ta saison. You have stepped into your season. This is a season. C'est ta saison. Of your miracle. De ton miracle. This is a season. C'est ta saison. Of your favor. De ta faveur. Receive favor. Reçois la 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 faveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Holy Spirit. Yes. Enter.
shine. Arise on the screen for the glory of the Lord. Has come upon you. Jesus. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen.
Abraham dormait dans sa chambre. Sarah slept in her room. Sarah dormait dans sa chambre aussi. But the time was moving. Mais le temps était en mouvement. Yes. Amen. Amen. And all of a sudden, et soudain, Abraham began to feel. Abraham a commencé à sentir. What is this? Woman? Qu'est-ce qui se passe? How am I going to do this? Et je vais faire quoi avec ça? Yes. Je sens. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? And Abraham said, et Abraham a dit, if I go to Sarah, si je vais chez Sarah, he's going to insult me. Elle va m'insulter. What is this one? Et mais c'est quoi ça? It never happened for the last 20 years. Ça s'est pas passé il y a 20 ans. And all of a sudden I can't sleep. Et vraiment, je peux pas dormir. And look, et regarde, the light in Sarah's room. La lumière de la chambre de Sarah. It's off. C'est éteint. Il dit, ah. Hey, what am I supposed to do? Hey, qu'est-ce que je dois faire? What? Abraham did not know. C'était Abraham ne savait pas. And in Sarah's room, dans la chambre de Sarah, Sarah was feeling like Sarah aussi sentait la même chose. He was feeling some movement. Elle sentait le même mouvement. He said, if I go to this man, et elle dit, si je vais à ce temps, so what am I supposed to do? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? She was feeling like a suicide. Some things were moving in your body. Dans son corps. Oh, I can't do this. Je ne peux pas faire ça. Not after so many years. Non, pas après tant d'années. What am I supposed to do? Je dois faire quoi? So she had an idea. Et elle a eu une idée. So let me go. Laisse-moi aller. And ask Abraham. Demandez à Abraham. Did you take your tablet for your heart? Est-ce que tu as pris les comprimés de ton cœur pour que ton cœur puisse tenir? And Abraham, et Abraham, on this side, de son côté, was feeling the electricity. Il sentait l'électricité dans son corps. Ooh. Okay. I have an idea. J'ai une idée. Let me go. Je vais aller demander à Sarah. Off the light in the kitchen. Est-ce que tu as éteint la lumière de la cuisine? And so, et donc, as Abraham was coming, pendant qu'Abraham venait of his room, dans la chambre de Sarah, Sarah's room, vers la chambre de Sarah, Sarah, was coming, Sarah aussi venait, they met in the corridor, et les deux se sont croisés dans le couloir. La Bible nous a pas dit ça, what hein, ce qui s'est passé. But what I know, mais ce que je sais, is a 90 year old. Après, ils avaient 90 ans. Ils avaient 90 ans. What was impossible? 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 When the time comes, the Bible says there is a time. La Bible dit y a un temps for everything, toutes choses, under the heavens, sous les cieux. There is a purpose. Il y a un but. For every season, pour chaque saison. I came to talk to someone. Je suis venu dire à quelqu'un that your time, ton temps, has come. Est arrivé. Let me say something. I'm about Laisse-moi te partager quelque chose. Je suis sur le point de finir. Help me talk to somebody. Aide-moi à parler à quelqu'un. Tell that person. Dis à cette personne. The time of everything. Le temps de toute chose is in the thing. Is in the thing. The time of everything. Le temps de toute chose. Est dans la chose. Le temps de toute chose est dans la chose. Wow. Okay. Thank you. The time of everything. Le temps de toute chose. Is in the thing. Est dans la chose. Amen. Your time is not with God. Ton temps n'est pas dehors ou à la maison. Your time is inside you. Ton temps est en toi-même. The time is inside. Le temps est en toi-même. I hear people in the church. J'ai entendu des gens dire dans l'église. They say I'm waiting for God's time. Que j'attends le temps de Dieu. God created time in you. Tu as créé le temps en toi. The time of everything. Le temps de toutes choses. Is inside. Se trouve en toi. Amen. I explain. J'explique. When I was about 7 years old, quand j'avais 7 ans, my father, mon père, was shaving. Et il se rasait in the bathroom, dans la salle de bain. And when he left, et quand il a quitté, I took the shaving stick. J'ai pris le rasoir.
et j'ai commencé à me raser. And my father came. Et mon père est venu. He said, il a dit, fils, don't worry. Donc, ne t'en fais pas. When the time comes, quand le temps va arriver, tu vas te raser. I did not understand. Je ne comprenais pas ça. Then, donc, all of a sudden, tous les poils, la barbe, I see the beard. J'ai vu la barbe coming out. J'ai vu la barbe sortir. I did not pray. Je n'ai pas prié. I did not fast. J'ai pas jeûné. Nobody lay hands on me. Personne ne m'a imposé les mains. My father did not pray. Mon père n'a pas prié pour moi. Just et c'est venu tout seul. And even where I did not know that hair can grow, mais même si je ne sais pas comment ça pousse, I find out that some hair are growing there. I find out that there is hair in some places in my et j'ai vu qu'il y a des poils qui ont poussé. I did not pray for. J'ai pas prié pour ça. Nobody lay hands for your beard. Personne ne t'a imposé la main pour ta barbe. Nobody lay hands. Personne ne t'a imposé la main. It just came. C'est venu. Before it was not there. Avant, c'était pas là. When the time came, quand le temps est arrivé, just come out. C'est venu, c'est apparu. You're gonna get it. Écoute. When a woman is pregnant, quand une femme est enceinte, the time to deliver, le temps de l'accouchement, is not with the woman, n'est pas avec la femme. If you're tired of the pregnancy, si tu es fatigué de la grossesse, you cannot go to the hospital. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Say, doctor, pour dire au docteur, hey, I'm tired. Hey, je suis fatigué. I'm vomiting every je suis en train de vomir tous les jours. Je vais accoucher aujourd'hui. It will not happen. Il va pas, cela ne va pas se passer. Parce que le temps is not with you. N'est pas encore avec toi. Everything. Le temps de toutes choses est dans la chose. The time is not with you. Le temps n'est pas avec toi. It's not with the doctor. Le temps n'est pas avec le docteur. It's not with the hospital. Le temps n'est pas avec l'hôpital. It's not with the hospital. Le temps n'est pas avec le mari. Le temps is with the baby. Est dans le bébé. When the baby wants to come out, quand le bébé va vouloir sortir, it does not matter whether you're in the supermarket. Peu importe que tu où que tu sois. It does not matter whether you're in the church. Peu importe que tu sois dans l'église. Quand le temps va arriver, le bébé lui-même va sortir. Le temps de toutes choses se trouve dans la chose. Le temps de toutes choses se trouve dans la chose. God sent me. Dieu m'a envoyé to come and speak to few people pour parler à un peu de personnes. At the time of que le temps de votre visitation est ici. Are you est-ce que vous me comprenez? When it is the time quand c'est le temps for your life, de ta vie, when it is the time quand c'est le temps, no power, aucun pouvoir, no demand, aucun démon, no witch, aucun sorcier, no wizard, aucun sorcier stop you, ne peut t'arrêter. Time, quand c'est le temps, God has set que tu as choisi pour ta vie, when my time comes to time, nobody can stop you, personne ne peut t'arrêter. Into the season. Dans ta saison. Amen.
de ta vie. When the time comes, quand le temps arrive, nobody will stop you. Personne ne peut t'arrêter. When the time comes, quand le temps arrive, le temps ne peut même pas t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun pouvoir ne peut t'arrêter. Quand c'est ton temps, c'est le temps de s'arrêter pour ce soir. La Bible dit, un homme was dead. Que son enfant avait béni. Son enfant avait béni. Son enfant avait béni. There was nothing. Il n'y avait rien. Mais ce jour-là, it was no matter what has happened in your life. It was no matter what you have been through. It was no matter what people said about you. I came to answer your question. Your time is here. Ton temps est arrivé. You need to recognize that. Tu dois reconnaître cela. No little stress. Aucune petite force. No little stress. Aucune petite force. When quand ton temps arrive, people can write you. Que les gens peuvent te rejeter. You can be like Sarah. Tu peux être comme Sarah. It looks like the promises of God. Et puis tu peux regarder la promesse de Dieu. Feel in your life. Et tu peux penser que ma place a construit. In your prayer. Et tu peux penser que ta prière ne monte pas devant your offering, ton offrande, ta dîme, que tout cela ne monte pas devant Dieu. Mais quand ton temps arrive, nobody, aucune personne, no power, aucun pouvoir ne peut t'arrêter. I came for je suis venu dire à quelqu'un, I came for je suis venu dire à quelques personnes who are sitting down, qui sont assises ici, God, qui pensent it was over, que c'est fini, who has tried everything, qui ont tenté toutes choses, et puis n'ont pas eu de succès. Les gens qui viennent hier, they're already successful. Ils ont le succès. And you don't know. Et toi, tu ne sais pas. What is happening? Ce qui se passe. You are like Sarah. Et tu es comme Sarah. God is over. Et tu penses que le temps est passé. You did not know. Et ce que tu ne sais pas, there was a time, c'est qu'il y a un temps. God marked. Que Dieu a marqué. And for you. Pour toi. And when you come to that season, et quand tu viens à cette saison, nothing, rien, shall be impossible. Ne peut être impossible. The God that you said. Quand tu as parlé de la vie, si tu es cette personne, I want you to step out. Je veux que tu sortes. De ton, I want to pray with you. Pour toi. If you're that person, si tu es cette personne,
feel that this is your time. If you're that person that feel that the time has come for you, you have tried everything. You have prayed. You have been anointed. They have prayed for you. They have laid hands on you. This is your day. This is your season. This is the time of your visitation. If you believe that this is your season, if you believe that this is your night, step forward. I want to pray with you. I want to pray with you. I know I did not come for everybody. Je suis pas venu pour tout le monde. For some people, je suis venu pour quelques personnes qui savent le temps for your promotion, de leur promotion, le temps for your business, de leur affaire, le temps for your children, de tes enfants, to get up drugs, de sortir de la drogue, and return, et retourner. If you believe that this is your season, if you hear the voice of the Spirit saying to you, this is your time, lift up your hands, wherever you are, step out here. The power of God, the power of God, the same power that went into the womb of Sarah and made it fertile again is about to come upon you. There is an anointing in his hands. There is an anointing in his hands that is going to turn the situation around. There is an anointing in his hands. There is an anointing in his house. I will give you a new job. There is an anointing in his hands. I will open the door for you. Time has come. This is the time. I am here. Because God says, this is the time. Ton père est arrivé. Church, this is your season. This is your season. I am a messenger. Je suis un messager. This is your time. You cannot afford. You cannot afford. This is your time. The power of God is here right now. It will touch your life. It will touch your business. It will touch your children. It will touch your future. It will touch every aspect of your life. How much you need to do? It's all set like service. Our hearts are set. People do not know how it's going to happen. I don't know how it's going to happen. It seems like it's too late, but I have to tell you, it's never late. It's never late. Lift your hands. Begin to pray. Wherever you are, lift up your hands. Begin to pray. This is your season. This is your time. This is your day. It's impossible. It's impossible. It's impossible. Jesus, receive your miracle. Yes, 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 in the name of Jesus. Let the power of God come upon you right now, in the name of Jesus. Yes, yes, the same option that came upon Sarah, the impossible, the hopeless situation, la situation of lifetime, la situation de la vie. Je déclare, in the name of Jesus, au nom de Jésus, that this season, you will have a testimony, tu auras un témoignage, you have a reason, tu auras une raison, to rejoice, de te réjouir, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, I release the power of God, je libère la puissance de Dieu, right now, dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, receive your miracle in the name of Jesus. This is the season. You have tried everything. You start walking. This is the season of your breakthrough. It's not by power. It's not by man, but by the Spirit of the living God. The door is open for you. In this year, you will have a reason to see your dream. Testify. Pass and receive your miracle. You think that it was not going to happen. And the Lord says, you are stepping into the season. Tu es dans ta saison. You are stepping into your season. This is a season of your miracle. This is a season.
de ta saison, de ta faveur. I break it, I lose my life, I lose my money,
Jesus. I bless you. Je te bénis. In the name of Jesus. Jesus. Somebody say amen. Amen.